J'ai vu, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé du Donzelli, tu sais, Marguerite et Julien. Ouais. Et en fait, j'ai écrit du coup une petite chanson parce qu'à mon avis, il y a de grandes chances qu'il y ait la palme. Tu veux l'écouter? Vas-y, DJ, balance la sauce. Je pose un rythme pour Valérie Donzelli, qui a quelques jours marché sur le tapis. La gale présente un film sans se faire de soucis. Ici au festival, pas grand monde a applaudi. Mais t'inquiète si t'as ici, moi j'y crois. C'est pas Babylone qui va faire sa loi. Donzelli, 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 la palme, tu l'auras. Bah bon, je vais pas être chaud, mais je pense pas qu'elle l'aura, tu vois. Parce que là, les Arabes disent que c'est de la merde. Putain, fais chier. Bienvenue dans le club épisode 6. Et ouais, toujours au soleil de Cannes. Sur la croisette en train de faire les midinettes, c'est couler branché. Toujours couler branché. Pierre, du coup, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire comme petit trailer, parce que comme on fait d'habitude, tu sais, un petit trailer qui parodie un film qui est présenté aujourd'hui en compète. Bah là, il y a Love. Ah, ça a l'air cool, c'est quoi? Un mélodrame sexuel en 3D qui peut s'apparenter à du porno. Ouais. Ouais, du coup, on peut-être pas. Use de Paolo Sorrentino, présenté aujourd'hui en compétition officielle, raconte les coulisses d'une tournée H-Tendre tête de bois. On y voit Herbert Léonard, Hervé Villard ou encore Michel Thor évoluer tant bien que mal dans ce naufrage qu'est la vieillesse. Une comédie musicale qui plaira aux vieux, comme aux très vieux, voire aux très très vieux. Tu me dis quand je parlais avec Laurence que c'est... Bah disons que les rouges, les Tenga, ils nous l'ont mis à l'envers parce qu'ils ont gagné l'immunité la dernière fois. Donc sur l'épreuve, ils étaient à fond. Nique ma chronique. Voilà, nique ma chronique comme il faut là, putain. En plus, Gérard, il a foiré le rire, donc du coup, bah, rien dans le ventre. Mauvaise ambiance sur le camp. C'est quoi, un tsunami aussi? Ça me gonfle, Mistral. Après, il y en a qui font des stratégies. L'autre, il a peut-être pris son collier d'immunité, on ne sait pas. Ça se réglera au conseil. 8 sur 10, palme direct. Donc du coup là niveau thune on est un peu ric-rac. Ouais on est un peu juste du coup pour continuer à pouvoir produire les épisodes. On a été obligé d'accepter de faire des pubs pour des commerces locaux. C'est ça, des petits partenariats, voilà, passe mon produit. J'espère que ouais, vous allez comprendre, ils seront disséminés au milieu de l'épisode, voilà. Vous les verrez quasiment pas. Voilà. Vous en avez marre des soirées gardées? Vous voulez vous détendre vos petits pieds? Il y a tout ce qu'il vous faut au Palais de la Tongue. Le Palais de la Tongue, c'est la liberté de vos orteils. Le frais pour vos petits pieds et tout ce qu'il vous faut est à deux pas du Balto. Arrête ton cinéma, Sacha. Les anecdotes cannaises. Martin Scorsese a remporté la Palme d'Or en 76 pour son film Taxi Driver. Mais saviez-vous que 90% des francophones qui prononcent Scorsese, Scorsese, sont porteurs du virus du sida? Arrête ton cinéma, Sacha. Les anecdotes cannaises. Du coup, on fait comme ça. Attends. Mais t'es sûr que ça a marché pour la parodie, Pierre? Comme ça. Parce que c'est un... On n'est pas obligé, hein. Attends, là c'est bon. On n'est pas obligé de le faire, hein. C'est pas parce que c'est du porno qu'on... Tu vois, on a l'air de quoi. Vous aimez le blanc? Non. Vous adorez le blanc? Non. Vous êtes complètement gaga 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 du blanc? Alors venez nous voir au Blanc du Nil, 38 rue de la République, où on ne vend que du blanc, 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 que du blanc. Puisque la loi impose à chaque ville de la Riviera d'avoir au moins un magasin qui ne vend que du lin, nous sommes là alors, qu'attendez-vous? Bah Pierre, qu'est-ce qui excite tout le monde ici sur la croisette? Bah c'est de savoir qu'est-ce qui fait le buzz, l'actu ciné à Paris. Exactement, et alors Louis, qui était notre correspondant, là se repose un peu parce qu'il est un peu saturé de Mad Max. Du coup on en a pris un nouveau, on l'a pas encore vu, alors est-ce que tu peux nous dire là qu'est-ce qui se passe? Salut les gars, je suis au Grand Cinéma MK2. La bibliothèque François Mitterrand. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de petites meufs qui se prennent en photo parce qu'il a plu. J'ai vu que le film de Jamel, il était toujours en salle, comme quoi, même au cinéma, il y a la clotorep. Sinon, j'ai vu Brodinski courir dans Paris. Il n'arrêtait pas de dire il est où, Mike? Il est où? Ouh, très belle anecdote, Elliot. Merci beaucoup. Un petit cru après les projos? Vous aimez les saveurs de l'Asie? Vous n'avez pas peur de vous faire du sushi? Vous allez adorer le Chinatown. Au bas du boulevard Carnot, ce traiteur chinois bucolique ne manquera pas de vous dépayser. Chinatown? Un service si rapide que vous n'aurez pas le temps de dire Wong. Putain, fatigué moi. Je peux savoir où t'étais? De quoi, pourquoi? Je sais pas, t'es en costume, t'as monté les marches. Pas du tout, j'étais... T'es un nœud papillon, t'as monté les marches.
Mais non, c'est un bar, c'est parce qu'il y a un mec. Mais non, mais pas du tout, c'est un mec dans la rue qui m'a voulu que je vois me montrer un truc. Et là, je suis un peu suspicieux, Guillaume. Non, mais sous prétexte que j'aurais à Cannes, en plein été, en plein soleil, un costume et un nœud, ce serait suspect. Sérieux, Pierre, on est là? On va faire ça là maintenant? Ça va alors. Non, mais c'est bon, tu vois, j'ai pas. Ne voulez pas être en retard en bas des marches? La ponctualité est votre passion? Alors venez nous voir! Où ça? À tout à l'heure! Mais non, pas quand ça, où ça? C'est bien ce que je dis, à tout à l'heure! Le numéro 1 de la petite aiguille de la région. À tout à l'heure, un boulevard de la Ferrage. Cannes la nuit, mondanité. Passe une bonne soirée, Eddy! Absolument, pas du tout. C'est très casse que du Cannes, mec. Regarde la Cannes la nuit, mondanité. Bon, le club à Cannes 6, Pierre, c'est fini. Mais soyez pas tristes, car on sera là encore une fois demain. Pas de soucis, les mecs. Mais est-ce qu'on va se quitter avec le petit tweet critique poétique? On est obligé maintenant. Et on va se quitter avec Émilie Léonie qui nous dit hashtag youf est une symphonie visuelle éclatante, picturale et truculente qui fait danser la jeunesse, la vieillesse, le désir, la vie. Hashtag Cannes. Attends, mais il n'y a pas du tout 150 caractères. Il y en a carrément plus. Attends, 1, 2, 3.